Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube du Cabinet Vétapro. Ici, nous parlons donc de la cour pastorale. Je vous invite à vous abonner massivement et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour toujours être notifié lorsque nous avons donc des nouveautés sur la chaîne. Alors, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ceux qui le sont déjà, n'oubliez pas également de partager pour agrandir la communauté. Car nous croyons fortement que l'expansion de l'Afrique passera par la cour pastorale. Alors nous devons donc être des bons piliers, nous ne devons pas être fragiles, nous devons être très solides. Et pour ça, nous devons donc avoir des notions de base pour pouvoir se lancer. Alors aujourd'hui, donc, de quoi est-ce que je vais vous parler? On va revenir un peu sur la désinfection. C'est vrai que nous avons déjà une vidéo là-dessus. Mais là, j'ai pris la peine de relever les questions d'un éleveur et puis je vais donc, dans cette vidéo, apporter des éléments de réponse. Donc, comme cet éleveur, vous pouvez également nous contacter pour nous passer vos différentes questions, vos différentes préoccupations. Et ensemble, donc, nous trouverons donc des éléments de réponse pour permettre à tout un chacun de rentrer dans son investissement pour limiter les casses, limiter les pertes. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler concernant la désinfection? D'abord, comment et quand est-ce qu'il faut désinfecter? Est-ce que la désinfection, c'est le nettoyage? Donc, commençons d'abord à quand est-ce qu'il faut désinfecter, que ce soit un bâtiment d'élevage, que ce soit le matériel d'élevage. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, nous avons déjà parti de ça, mais nous reviendrons parce qu'apparemment, il y a peut-être eu il y a encore des points donc, par rapport à ça. Alors, quand est-ce qu'il faut désinfecter vos bâtiments d'élevage? Lorsque le bâtiment est complètement vide. Donc, lorsque vous avez sorti tous les sujets, ce n'est pas qu'il reste 3 poules, 4 poules, 5 poules, on calme, on dit, docteur, j'ai cadré là-bas, donc on peut laver, c'est désinfecter. Non. Vous devez sortir tous vos animaux. Et une fois que tous les animaux sont sortis, il faudrait donc retirer tous les équipements qui ont été utilisés pendant cette phase d'élevage. Que ce soit les mangeoires, que ce soit les abreuvoirs, que ce soit les pondoirs, si vous êtes dans l'élevage de pondeuse. Donc tout ce qui a été utilisé doit être mis dehors. Après ça, il faudra retirer toute la matière organique, c'est-à-dire la litière. Il faudra retirer toute la matière organique. Et en plus de la litière que vous retirez, n'oubliez pas de retirer les toiles d'araignée. Parce que nous arrivons dans certains bâtiments dans lesquels on a déjà fait la poussinière. Nous avons les toiles d'araignée même qui empêchent le passage de l'air dans ces bâtiments-là. Donc en plus de la matière organique n'est pas seulement la litière. Parce qu'on a souvent tendance à croire que c'est où on tape les pieds qui est sale. Ce que vous oubliez, c'est que le copeau, même parfois, nous avons des poussières qui montent. Donc, tout le bâtiment est souillé. Donc, comme matière organique, vous avez également les toiles d'araignée que vous devez retirer. C'est après ça que vous passez donc au nettoyage. Donc, je vais profiter pour répondre directement à la deuxième question. Le nettoyage, ce n'est pas la désinfection. Vous ne pouvez pas désinfecter un milieu qui n'a pas été nettoyé. Donc, vous devez d'abord nettoyer, vous balayer, vous laver correctement et bien avant d'appliquer votre désinfectant. Donc, là, j'ai répondu à la deuxième question. Maintenant, on a parlé du bâtiment. Comment est-ce que vous allez donc désinfecter les équipements? Les équipements seront désinfectés une fois que vous avez également raclé la matière organique dessus. Parce que vous savez, sur les mangeoires, vous avez souvent des viandes qui restent. Vous avez des viandes qui restent, vous avez de la poussière et tout. Donc, vous devez nettoyer, dépoussiérer et tout avant de laver, c'est après lavage, donc vous devez désinfecter. Donc j'ai répondu à la première question, quand est-ce qu'il faut désinfecter? Est-ce que la désinfection et le nettoyage sont pareils? Maintenant, l'éleveur aussi a demandé, est-ce que l'eau de Javel est un bon désinfectant? L'eau de Javel n'est pas un désinfectant pour vos bâtiments d'élevage, ni pour vos équipements. Pourquoi? Parce que l'eau de Javel n'agit pas contre les virus. Pourtant, lorsque nous appliquons un désinfectant, nous allons au-delà des bactéries, parce que généralement, nous n'avons que des bactéries en tête. Sachant que nous tuons également les virus lorsque nous faisons la désinfection. Donc, l'eau de Javel n'est pas un désinfectant idéal pour vos bâtiments d'élevage, pour votre équipement. Et puis, après cette question, il a posé une autre question. Est-ce que le désinfectant présente-t-il des risques? Oui, c'est écrit sur chaque notice de désinfectant. Il y a des désinfectants qui sont toxiques. C'est pour ça que sur chaque notice de désinfectant, il y a un délai d'attente. Après avoir appliqué, vous pouvez attendre telle ou telle période avant de mettre les animaux à l'intérieur. C'est pour ça que pendant que les animaux sont à l'intérieur,
aucune désinfection ne doit être faite. Bon, chaque désinfectant a donc sa notice qui renseigne en fait sur les produits, sur le mode d'emploi et tout le reste. Bon, donc le désinfectant a donc des risques à certains niveaux. Maintenant, quelle attitude adopter après une désinfection? Sur chaque désinfectant, comme je disais tantôt, vous avez les délais d'attente qui doivent donc être respectés. Et je vais beaucoup m'apesantir sur le fait qu'avant de désinfecter, ça, il faut vraiment qu'elle soit vide. Parce qu'en fait, vous savez, je vais d'abord nous offrir également des sujets d'exploitation, des sujets d'exploitation. Donc, ce qui fait que pendant nos cours ces derniers temps, nous avons eu 2 à 3 fermes où nous avons des bâtiments. Dans des bâtiments, on a cadré les poulets à un endroit et puis on a lavé le reste du bâtiment. On dit l'avoir désinfecté. Mais ce que vous oubliez, c'est que le vent, les agents pathogènes ne se déplacent pas à grands pas comme nous. Non. Le vent simple transporte d'une zone à une autre. Si entre les bâtiments, nous faisons déjà une distance à respecter, combien de fois dans un bâtiment que le vent doit passer, balayer la matière organique d'une zone à une autre? Donc, tout ça, il faut prendre en considération. Également, il faut savoir que lorsque vous appliquez un désinfectant également, le temps d'action du désinfectant varie en fonction de l'agent pathogène cité. Je vais prendre un exemple. On ne fait pas de publicité. Si je prends par exemple le truc possible qui est sur le marché carbonais actuellement, lorsque vous décidez donc de juger le publicité contre les agents de la prostitution, le temps d'action est de 4 heures environ, 2 à 4 heures, 2 heures à 4 heures. Donc si c'est avant, si avant ça, vous avez mis vos sujets, vous avez mis votre lichet, vous avez ressali la salle, nous sommes d'accord que le désinfectant n'a pas fait son travail comme il se fallait. Donc, j'espère que vous avez appris du nouveau. N'oubliez pas qu'en description de chacune de nos vidéos, nous laissons le lien d'enregistrement en fait pour ceux qui veulent se lancer dans l'élevage des poulets de chèvre ou ceux qui y sont déjà. Enregistrez-vous. Passez vos commandes, nous sommes réguliers sur le marché, nous mettons à votre disposition des pousseurs de qualité. Et aussi chez nous, nous mettons à votre disposition des consultations pour vous permettre de mieux comprendre vos différents projets à vos pastoraux, de mieux les conduire pour éviter les casses, comme je le disais tantôt. Ensemble, nous croyons en vous et nous croyons également en vous. Chacun de nous fera donc la force de l'autre. Nous allons donc construire l'Afrique en passant par la voie pastorale. Ciao et à la prochaine vidéo.